Mouvement d'un solide, donc on verra un solide qui est un ensemble de points indéformables, donc c'est un solide indéformable évidemment. Hey, ça, c'est un solide indéformable. Ça, c'est un solide indéformable. Par contre, ça, non. Et puis, ça non plus, par exemple, hein. Observons des mouvements de translation et déterminons les propriétés de ces mouvements. Cette animation nous est proposée par M. Masson. Voici le cas d'un mouvement de translation rectiligne. Que remarquez-vous pour tout segment de ce solide? Eh bien, si nous choisissons deux points ici, nous joignons ces deux points et cela forme un vecteur, par exemple le vecteur AB. Regardez, que se passe-t-il pour ce vecteur AB? Autre question, que se passe-t-il pour la trajectoire de tout point du solide? Eh bien, vous l'aviez trouvé, un solide S est en translation par rapport à un référentiel R si tout segment AB se déplace parallèlement à lui-même. Tout point du solide a les mêmes vecteurs vitesse et vecteurs accélération. Le vecteur AB de ce solide reste constant. Au cours d'un mouvement de translation rectiligne, on a de plus tous les points du solide qui ont une trajectoire rectiligne. C'est l'exemple d'un train qui se déplace sur un rail rectiligne. Observons maintenant un mouvement de translation circulaire. Observez le solide. Alors, quel est le mouvement de tout point du solide et le segment AB se déplace-t-il toujours parallèlement à lui-même? Voilà les deux grandes questions. Passons à la réponse. On choisit deux points, on joint ces deux points sous forme d'un vecteur, et on voit bien que le vecteur AB reste constant. Que dire de la trajectoire de tout point du solide? À vous de trouver. Donc, au cours d'un mouvement de translation circulaire, tous les points ont un mouvement circulaire. Évidemment, comme nous le voyons sur cette image, tout segment AB de ce solide se déplace parallèlement à lui-même, donc tout vecteur AB reste constant. Bien, qu'est-ce qu'on appelle le mouvement de translation? Ah, alors, quand on est pauvre, eh bien, il faut avoir des idées, hein. Donc, j'ai pris ici cette petite boîte qui contenait initialement, je vous le donne en mille, des petits lardons, fumés au bois de hêtre, attention. Et puis, ensuite, j'ai introduit à l'intérieur deux stylos qui représentent un segment de ce solide. Bien, je vais faire un mouvement de translation. Eh bien, au cours d'un mouvement de translation, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, le solide se déplace de cette manière-là, et tout segment de ce solide se déplace comment? Il vient parallèlement à lui-même. Voilà le point A, le point B à l'instant T1. Eh bien, à l'instant T2, le point A se trouve en A2, le point B se trouve en B2, et on voit que ce segment-là se déplace parallèlement à lui-même. Ce serait la même chose pour tout segment du solide. Voilà ce qu'on appelle un mouvement de translation. Alors, en exclusivité, hein, pour vous, je vais vous donner un mouvement, je vais vous montrer un mouvement de translation circulaire. Regardez bien. Voilà. Voilà un mouvement de translation circulaire qui correspondrait, par exemple, au mouvement d'une nacelle, hein. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les points ici ont une trajectoire circulaire, plus ou moins bien faite, hein, j'en conviens. Et tout segment du solide en translation se déplace parallèlement lui-même.